atayonza limabe ngenyo sa akobenga yonsolo uzunga epaina ye akobongola yo okoma osa kaye nazali koluka bapate na yesu babunga kikala ya lopango ya tata okozonga epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout, on va nous lire l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Béti, ma boko polankolo. Moyo kandenge masako, linyonso bakoloba, na Yesuwe, na mokolo yo akoye. Okolobani,
Nous allons parler de la procrastination et la dromologie. Donc la procrastination, c'est le fait de faire toujours des choses en retard. La dromologie, c'est le fait de faire des choses avec précipitation. Cela veut dire que aujourd'hui nous parlons de la gestion du temps. Est-ce qu'on peut clamer très fort? Et si quelqu'un te dit que
Est-ce que le thème là de votre pasteur c'est dans la Bible? Ce qui m'a tourné maloba au moment de l'impatience la quinzaine la Bible. Il faut lui donner Éphésiens 5 verset 16. C'est quelque chose 5 16. Et après tu vas lui dire. Nasi mokolo banaye. Que nous ne faisons pas les mêmes lectures. Biso tozali kotanga makambo linge moko. Et nous n'avons pas les mêmes parcours. Tozali pe na nzela moko te toleka. Est-ce que en disant cela je dis que je dépasse les autres? Non. Non. Cette ville est remplie de grands pasteurs. Et je respecte beaucoup. Mais la difficulté que nous avons au Congo, c'est que quand même il y a plusieurs tonneaux vides. Si les pas spirituels, bien sûr. Et ils parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ça me rappelle, il y a de cela 7 ou 8 ans. Quand nous avons prêché avec les ordinateurs, nous avons vu 7 racailles spirituelles de Kinshasa. Dire aux gens que un enfant de Dieu ne peut pas prêcher avec l'ordinateur. Maintenant qu'ils ont compris, ils ne nous demandent même pas pardon. C'est pourquoi nous avons dit, nous n'utiliserons ni la Bible ni l'ordinateur. Et c'est comme ça chez nous. Tout ce que les hommes ne comprennent pas, ils critiquent ça. Et comme je vous ai toujours dit, les malheurs de ceux qui se réveillent très tôt, c'est de n'avoir comme interlocuteur que des oiseaux. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que nous dépassons les autres? Non. Mais il faut de temps en temps préciser les choses. Vous savez, dans un village où les sages se taisent, l'ineptie deviendra la norme. Amen, amen. Amen. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons parler de la gestion du temps, donc la procrastination. C'est l'habitude de ramener à demain ce qu'on devait faire aujourd'hui. Et c'est ça la caractéristique des chrétiens. Les chrétiens n'ont jamais la fureur de vaincre. Pour eux, ils pensent que le temps est élastique. Non, le temps est limité. La journée n'a que 24 heures. Alors, si tu commences à repousser tout ce que tu peux faire aujourd'hui à demain, tu ne feras plus rien dans ta vie. J'explique d'abord le concept. Et si vous voyez les États d'Afrique en retard, routes trouées, hôpitaux sans médicaments. Parce qu'en Afrique, tout ce qu'il faut faire aujourd'hui, on repousse ça demain. Et quand tu essayes d'expliquer aux gens que ce n'est pas comme ça, ils vous disent pourquoi tu es si pressé. Et vous savez d'où ça vient? Les Africains, ce sont les descendants de Cham. Le troisième fils de Noé qui a été maudit après avoir vu le corps de son père. Quand un homme est maudit, même son raisonnement est barbare. Je vous l'ai dit, mes chers amis, lorsque vous parcourez l'Afrique, sur les 54 États qui la constituent, nous avons 16 États enclavé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de littoral, ils n'ont pas l'accès à la mer. Il y a 6 États insulaires. Quand vous allez vers le Maghreb, l'Afrique a les mêmes réalités. Même là où vous voyez que si nous faisons ça, nous allons évoluer. Il y a quelqu'un qui va vous dire qu'on ne le fait pas.
Ça me rappelle ce que mon poète me disait. Nazali ko kaniso mon poète zai koebi sangai. Ti dingi dingi ne chibula ngeni. Alobi zo banu wa zai dingi dingi ne chibula ngeni. C'est l'amitié entre les sots et l'imbécile. Ezali boyo kani o ezali na zo banu moto zai dingi. Les sots disaient son ami. Azali ko tali samoninga na ye. Construisons la maison comme c'est la saison sèche. Totonganda koloko ezali ngonga mali. L'imbécile lui dit. Zo baebi si boyo. Continue à dormir dehors. Alobi toko banu kola la liba. Et les sots a suivi les conseils de l'imbécile. Alandi toli ya o zai dingi mayel. Donc, il y a des choses ezali na makambo qu'il faut chasser oui, de la mentalité des chrétiens. Na makanisi, ya ba Christo. Si vous les faites, ki ça vous permettra d'aller très loin et dans les affaires. Et vous verrez que tout au long de mon propos, je vais étayer ma dialectique par des versets bibliques. Il y a des bases scripturaires à tout ce que je veux vous enseigner. Mais je suis d'abord en train de définir les concepts. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Donc c'est ainsi que, comme je vous dis là, l'Afrique a les mêmes réalités. Mais le Congo et la Centrafrique ont exagéré. Vous trouverez les mêmes réalités en partant de l'Afrique du Sud, en passant par la Namibie, Angola, RDC, Congo-Brazza, Gabon, Cameroun, Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée équatoriale, Gambie, Sénégal, Mauritanie. À partir de là, vous prenez le Maroc, vous faites l'Algérie, la Libye et l'Égypte. Égypte. À la pointe là, vous allez retrouver l'Érythrée et l'Éthiopie, avec les Djibouti quelque part. Quand vous commencez à descendre, vous passez par le Kenya. Quand vous descendez encore, vous allez retrouver la Tanzanie. Vous essayez de descendre, vous allez trouver la Mozambique. Après, c'est le Lesotho. Quand vous passez le Lesotho, vous allez encore descendre, vous allez vous retrouver jusqu'en Afrique du Sud. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Wali? Si vous demandez aux Africains, il y a combien d'États en Afrique? Ils disent naïveté. Vous ne connaissez rien. Mais demande-les de parler de la vie des gens. Amen. Les chrétiens sont dans des stupidités. Je voudrais que vous soyez différents des autres. Que vous appreniez à bien compter les temps. Le temps que vous perdez en parlant des autres, c'est le temps que vous pouvez consacrer à une activité productive qui peut vous rendre heureux dans la vie. Les Congolais est super en calomnie. Ils ne sont jamais pressés. Et ce qui m'a énervé, j'ai suivi un politicien. Quand on célébrait l'indépendance, on lui pose la question, maintenant nous avons, ça c'est en 2013. Quel est le bilan que vous dressez par rapport à ce pays? Écoutez la réponse d'un sénateur. Il dit que nous sommes un état jeune. Donc, j'ai dit celui-ci, il faut qu'on le retourne au village, qu'il devienne chef coutumier. La Chine, Chine s'est transformée dans moins de 50 ans. L'Inde s'est transformée dans moins de 50 ans. Mais avec de telles personnes, qu'est-ce que vous pouvez attendre? Parce qu'ils trouvent que nous sommes jeunes. C'est anormal. Nous sommes en retard. J'expliquais la procrastination. Maintenant, je vais expliquer la dromologie. La dromologie, c'est la science de la vitesse et de ses ravages sur la société. Les chrétiens, quand ils ne sont pas en retard, ils sont dans la prestance.
Les Africains, quand ils ne sont pas arrivés, bah, en Afrique, ceux qui basent la cimentangote, ils sont dans la précipitation. Bah, est-ce que vous trouvez normal qu'on puisse créer des universités au Congo dans tous les villages? Malamuto que la université entre nous. Vous trouvez ça normal? Le Congo a moins de 2000 professeurs. Mais ces histoires qu'on crée dans tous les villages, qui ira enseigner là-bas? C'est ainsi qu'aujourd'hui tout le monde a les diplômes au Congo. Et vous savez comment ils appellent ça? Papier. C'est effectivement des papiers. Parce que ceux qui en ont, ils ne savent pas défendre ce qui est écrit dans leur diplôme. Mais à part cela, je sais que le Congo a des intellectuels de grande valeur. Et que même dans notre église, il y en a. Donc nous sommes en train de vous réveiller. La dromologie, c'est quoi? C'est cette course aux armements. Donc le monde maintenant, comme les Occidentaux sont en faillite, ils ne fabriquent que les armes. Mais fabriquer ces armes, pour attraper l'éléphant, nous n'avons pas besoin de chars. C'est ainsi qu'ils organisent l'économie des guerres en Afrique. Lorsque vous voyez les guerres se multiplier en Afrique, les auteurs compositeurs sont en Occident. Ils trouvent leurs interprètes au Congo, qu'on appelle des rebelles. Mais en réalité, ce ne sont pas des rebelles. Ce sont des marionnettes. Pourquoi on prend tous ces raccourcis? Parce qu'on veut tout. On le veut tout de suite. On veut l'avoir maintenant. Si tu gères bien ton temps, tu auras chaque chose à son temps. La Bible dit que l'Éternel fait toutes choses bonnes à son temps. C'est cette précipitation qui pousse maintenant les gens d'abandonner le Jésus qu'on nous a présenté par nos parents. Aujourd'hui, il prie un Dieu qu'on appelle Gégé. Gégé, c'est un faux Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas même un Dieu, c'est un démon. Bande de la musique à mon yembi Gégé. La musique mondaine a chanté Gégé. Musique au basolo bayanzambe. La musique. Soit que Bolanda kinga ina deba nangana Félix oise quoi. Bonjour à l'émission, Anna. Na l'obagi déjà que même dans l'église, nous avons beaucoup de musique païenne. Mais Bobanda yokangate. Comment? Monde yembi gege. Comment un païen chante? Mutwa église pe ayembi gege. Un chrétien soit disant. Pasteur, pasteur, bakete tolobate. Eti kalandengwana. Ekoti kalandengwana te. Ngana koloba. Moi je vais parler. Eti kalandengwana te. Ekoti kalandengwana te. Ça ne va pas rester ainsi. Et ils ont peur. Ils disent non, on va vous insulter. Donc, écoutez, mais je vous dis que Gégé, c'est un démon. Nathalie Sibino, Gégé, Azali, démon. Dans la Bible, na Biblia, de Genèse à l'Apocalypse, na Genèse qui l'Apocalypse, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Gégé. Et la Bible dit que tout ce que vous allez faire en acte ou en parole, faites tout au nom de Jésus. Bon, mettez ensemble ma peau comme un casse-banne dans la Bible. La Bible ne s'arrête pas là. Alléluia. Amen. La Bible dit, à cause de cela, il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Si tu vois quelqu'un invoquer un autre nom à part celui de Jésus, c'est un sorcier. Amen. Amen, amen. Amen. Ce qui fait la force des États-Unis, ce sont ces marines. Et ce qui fait la force de l'évangile au Congo, ce sont les godés. Mes chers amis, l'église doit avoir des gens courageux. La Bible dit que ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais condamnez-les. Je condamne les prédications et les chansons de Gégé au nom de Jésus. Regardez
comment la ville est calme, c'est comme si rien de grave ne s'était passé. Il y a un principe en droit qui dit ceci, qui ne dit mot consent. Si tu vois quelqu'un n'est pas condamné, il est dans quelqu'un. Amen, amen. Amen. Nous sommes comment la dromologie, j'explique la dromologie. Nazali kotali sande kowela. Tala. Même ba maman bazali ao. Même les mamans. Maman soka sali mwana biberon. Si maman fait le biberon pour l'enfant, il faut que ça soit attends chaud. Zole, là. Même si l'enfant pleure. C'est la kanane moto. Elle patiente un peu pour que ça puisse se refroidir. Après ça mwana biberon. De donner à l'enfant le biberon. Il faut pas pleurer. Zamba ça sale la biberon. Dieu a déjà fait pour toi un biberon. Ah bonsoir kanga bieten na makamu na zoe bisabi. Aide-moi à dire à ton voisin le temps. Le temps. Oh non. Il ne faut pas dire ça. Je vous dis, moi, je suis un homme hyper civilisé. Je ne m'occupe pas de la vie des gens. Mais quand tu amènes les aventures dans l'église, je suis là. Amen. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Un ange m'a dit, Angelo, Dieu t'a nommé défenseur du christianisme en République démocratique du Congo. Défenseur. Amen. Mes chers amis, Badinga, je ne sais pas comment vous gérez votre temps. Les chrétiens vivent en désordre. Ils n'ont pas un plan de ce qu'ils font. C'est ainsi que vous aurez remarqué en Europe où il y a des savants qui ont fait des avions. Les gens ne sont jamais devenus fous à cause des études. C'est seulement les gens qui font l'examen d'État ici. Et je précise, ce ne sont pas les examens d'État. Il s'agit d'un examen d'État. Il s'agit d'une succession. Vous allez voir un enfant. Oh, pasteur, prie pour lui, il a beaucoup étudié. Non, c'est le désordre. L'examen d'État, on ne le prépare pas à la fin de l'année. Il y a l'État qui a un enfant organisé. Il lit chaque jour. Moi, je vais vous surprendre. Moi, je n'ai jamais été au maquis. Je n'ai pas eu l'examen d'État. Il ne faut pas amener le désordre. La Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Regardez comment Dieu a un agenda. Dieu commence la création. Le premier jour. Chaque jour. Il y a une catégorie de biens qu'il avait créé. Mais un homme doit avoir un programme. Il sait que de 6h à 12h, je serai tel pas. De 12h à 15h, je serai tel pas. À partir de 19h, je dois être à la maison pour contrôler les examens, les devoirs des enfants. Mais Moutoyo, partout. Mais celui-ci, vous allez le trouver partout. Même à 23h. Même à 23h. Il est toujours là. C'est quoi? Comment tu gères ton temps? Je ne suis pas en dehors de la Bible. Éphésiens 5:16. Dit que racheter le temps. Donc, autrement dit, la Bible dit gérer correctement votre temps. La journée est constituée de 24h. Huit heures de sommeil et 8 heures de distraction. Il y a quelque chose que je n'avais pas dit en ce qui concerne la dromologie. Vous voyez tous ces cortèges qui nous dérangent ici. C'est parce que les gens ne gèrent pas bien le temps. Ministre, la Mugatana Tongo, il faut te réveiller si le matin. Tu es nommé ministre, Batio tu ministre, n'as pas acheté la République. Yo, il faut te réveiller le matin. Et je vous dis des choses. Vous Nazali, vous ma solo.
Ces gens provoquent des accidents inutiles. S'ils se réveillaient à temps, mais on n'allait pas voir tous ces cortèges. Et puis, il y a trop de cortèges au Congo. Même les chefs du quartier. Non. On doit garder les cortèges pour le président. Pour le président de l'Assemblée nationale. Pour le président de l'Assemblée nationale. Celui du Sénat. Pour le Sénat. Le premier ministre. Le premier ministre. Bon. Le gouverneur. Gouverneur. Dit, vous tous qui restez, débrouillez-vous comme nous. Acclamons très fort. Papa. Maintenant, il y a trop de cortèges. On ne sait pas qui est qui. Maintenant, les motards, c'est comme s'ils manquent à faire. Quelqu'un. Non, papa. Les motards font partie des oripeaux du pouvoir. Ce n'est pas n'importe qui doit être escorté par les motards. Parce que si je ne leur dis pas ceci, il n'y a personne qui pourra leur dire ça. Mes chers amis, Baninga, Dieu gère bien son temps. Zambazali ko angela ntango ne malam. Et Dieu, Nzambe, il arrêtait son travail. Azalaki kokata mosala na epoko nyonso. Poko nyonso. Vous savez, c'est seulement en Afrique ici où vous trouvez des bêtises où quelqu'un vous dit que lui partait au travail à 4h du matin. Tu vas faire quoi au travail à 4h du matin? Il a des problèmes avec sa femme. Papa, dans les hommes civilisés, dans les grandes organisations internationales, je peux vous citer le Fonds monétaire, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale des douanes. Le travail commence à partir de 8h30. Cette histoire de se réveiller à 4h, si tu as des problèmes avec ta femme, hein, réconcilie-toi. Et vous venez au bureau à 5h, on ne voit rien de concret à part le détournement. Bon, dis bien, quand je dis des choses comme ça. Amen. Et lui, il a l'escorte, il vit à 4h. Il commence à chercher les gens qui n'ont même pas les wewa. Non, c'est le désordre. L'efficacité du travail. Ce n'est pas le nombre d'heures qu'on passe au lieu de travail. Mais c'est le nombre d'heures qu'on passe en travaillant. Maintenant, ces gens-là, ils viennent à 4h. Ils sont en train de dormir. Au Congo, le travail commence à 7h30. Laissez les gens tranquilles. Si tu viens à 4h, travaille tout seul. C'est ainsi que les gens ont de l'hypertension. Je vous avais dit ceci. Au Congo, il ne faut pas bousculer des gens. Il y a des problèmes. Dieu a arrêté le travail. Pourquoi nous sommes en bazar? Regardez quand Dieu travaille. Au septième jour, Dieu se repose. Amen. Donc, c'est normal que le pasteur puisse prendre son congé à l'église. Lorsque je vous disais que dans les ministères, le pasteur n'a pas d'adjoint, quand le pasteur d'une église, tango, s'il a été appelé par Dieu, qui a benga nzam, qu'il soit là présent azala, to azala, ou qu'il ne soit pas là, azala te, son esprit, molimo na ye, son ange angelou na est là. Ye, azala, et ce que je dis, on azali koloba, c'est dans la Bible. Ezana kati na Dieu n'a pas bâti l'église sur les anciens. Te, na la Bible dit, Bible lobi, tu es Pierre. Ozali petero, sur cette pierre, na je bâtirai mon église. Na donc, tel que l'église image de l'éternel, Dieu m'a dit que tu es godé, sur ce godé, je bâtirai l'église. Que je sois là ou pas, mon esprit est là. Amen. Le pasteur, c'est le fiancé invisible de l'église.
Mais en disant cela, je ne dis pas que le pasteur peut travailler seul. Non. Il y a des choses que Dieu faisait dans la Bible, seulement à cause de son serviteur Moïse. Il y a des gens qui seront bénis aujourd'hui seulement à cause de son serviteur Godé. Amen, 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 amen. Amen. C'est pourquoi il faut bien choisir l'église. Là où tu dois prier. Si tu pries dans une église d'un petit, il va prendre ton épouse. Toi qui prends les épouses d'autrui. Le jour où tu commets une erreur de prendre l'épouse de mon frère, vous serez collé jusqu'à ce que vous vous arrêtez. Trois jours avec les autres femmes ici. Mais si tu venais, je vais les décaisser. Dieu lui-même là, il sait reposer. Même quand il travaille, et il y a un temps de repos. Il ne faut pas suivre. Dieu sait reposer, papa. Un jour, tu prends congé de deux semaines. Un homme, quand il se réveille le matin, comme il sait qu'il y a 8 heures de travail et 8 heures de sommeil, la plupart des gens qui ont de l'hypertension, ce ne sont pas les démons, la mauvaise gestion du temps. Cet homme, il doit danser dans tous les bars de Mato. Il rentre à 10 heures et il doit sortir à 6 heures. C'est le corps. Tu gères très mal ton corps. Tu gères très mal ton temps. Nous, nous sommes les enfants de Dieu. Dans notre vie, la prière, c'est le principal, c'est l'absolu. Ezali eloko ya liboso ya yambo ya motuya. Tu ne peux pas te réveiller comme ça. Okokite. Et tu ne pries pas. Ozali kobonde la te. Directement à la télé. Balamoko netandoke. Directement en train de préparer. Balamoko ozali kolamba te. C'est quand la femme qui prépare à prier. Tango mwasi ozali kolamba. Ceux qui vont manger. Bay bakolia. Seront bénis par ces repas là. Ba kopambola manabile yo bakolia. Je vous l'ai dit. Le monde Mokili est fait et salemi du visible na et de l'invisible. Na. Ce sont les gens qui ne connaissent pas comment ta fonctionne qui vous embrouillent. Tous les états qui se sont développés, ils ont développé la force spirituelle. Yango et commissaire Nabosanda, la Chine s'est appuyé sur le confucianisme. Yango et Mifandisaki. C'est ce qui les a amenés là où ils sont. Les États-Unis ont commencé avec Dieu. C'est ce qui les a amenés là où ils sont. Depuis qu'ils ont abandonné Dieu, ils autorisent maintenant l'homosexualité. Donc, un État qui n'est pas fort spirituellement ne se développera jamais. Ce que je dis là, ce n'est pas seulement la Bible. La Bible dans Daniel 12, verset 1, nous apprend que chaque État est contrôlé par un ange. Si vous êtes contrôlé par un ange de prospérité, le pays sera prospère. Vous êtes contrôlé par un ange de médiocrité, comme les États africains. Vous serez médiocre. C'est ainsi que là je quitte la Bible. Je rentre en sciences politiques. En géopolitique. La géopolitique. Il y a les vertus géopolitiques des États. Ezali nantoki ya l'État. C'est quoi? Yango ezali nini? Les choses qui font que les États puissent aller de l'avant. C'est leur superficie. Et ce qu'elle contient. Ça, c'est le rayonnement. L'État qui doit être développé. Il doit avoir des meilleurs enfants. Des savants. Des athlètes. Des pasteurs. Des grandes valeurs. Il y a la vertu historique. Le pays qui est appelé à devenir grand doit avoir influencer l'histoire du monde. Mais pour terminer, la dernière vertu, ce sont les sociétés secrètes. Dans ces sociétés secrètes-là,
On y trouve les sociétés d'intelligence. On y trouve des sociétés spirituelles. Et pour nous les chrétiens, la société secrète la plus puissante, c'est l'église de Jésus-Christ, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Quand tu te réveilles, ma soeur, quand tu te réveilles, mon frère, commence par prier. Et quand tu pries, il la montre. Donc Jésus priait avec la montre. Les gens ne comprennent pas. Frère, un jour Jésus amena Pierre, Jean et Jacques pour prier. Quand il s'est retiré, Pierre et ses amis dormaient. Jésus inquiet, il va leur dire, vous n'avez pas pu veiller avec moi, ne fût-ce que pendant une heure. Un chrétien doit prier avec la montre. Laissez-moi vous parler de isme. En philosophie, l'isme ne comprend pas que les enseignements, mais il comprend aussi le comportement de celui qui a amené l'isme. L'isme, ce sont des doctrines. Notre isme en nous, c'est le christianisme. Jésus priait pendant des nuits entières. On peut conclure sans peur d'être contredit que Jésus priait pendant au moins 8 heures par jour. C'est pourquoi quand il tournait, les démons le fuyaient. Les églises de Kinshasa n'aiment plus la prière. Ils cherchent des connexions. Mais je te dis, il y a un réseau qui, quand il est connecté à lui, il n'est jamais saturé, il n'est jamais brouillé, il n'est jamais perturbé. C'est le réseau de Jésus-Christ. Ce réseau-là, on l'entretient. Les providers de ces réseaux-là, ce sont les prières. Un homme qui prie beaucoup, les démons fuient sur la route. Est-ce qu'à partir de ces prédications, même ceux qui vont me suivre à la télé, que les démons les quittent au nom du Seigneur Jésus-Christ? Tu pries pendant combien de temps? La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Tu dois travailler. Tu dois prier. Je ne vous demande pas de fuir le travail. Même au lieu de travailler, pendant que tu travailles, aie l'habitude de prier. Aie un carnet dans lequel tu notes le nombre d'heures pendant lequel tu as prié pendant la journée. Les gens qui ne prient pas beaucoup, ils sont exposés à toutes les attaques du diable. Vous ne voyez pas l'église d'aujourd'hui? Ah, je vois les chantres, vous êtes très bien habillés aujourd'hui. C'est que la prédication de la semaine vous a touché. Donc, vous voyez ici, même si vous chantez comme Mbiliabel, tu ne monteras jamais ici en jupette. Yes. Donc, tu ne vas pas monter ici en aucun jour. La Bible dit que la femme fait d'une manière décente. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, même les mamans, sont toujours en jupette? J'ai vu une vieille maman qui a Oh non, papa. Si la sœur Foufou ne chante pas, la louange ne sera pas bonne. Qu'elle ne chante pas. Moi-même, je vais chanter avant la prédication. Sœur Foufou, apprends à bien t'habiller. L'église, c'est un lieu saint.
Mes chers amis, comment vous gérez votre temps? Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour prier. Sur les 24 heures. Où est-ce qu'on puise les 8 heures de prière là? C'est sur les 8 heures de la distraction. Et quelques vides qui se présentent au lieu de travail. Quand tu te réveilles, tu peux prier si tu y es pressé. Tu pries ne fût-ce que pendant une heure. Quand tu es dans ton véhicule, ce n'est pas l'heure d'être distrait. Si tu sais parler en langue, tous les parcours et les embouteillages là, ce sont des occasions de prière pour toi. Quand tu constates que tu as fait ne fût-ce que 8 heures, maintenant tu es à l'aise. Les chrétiens gèrent très mal leur temps. Ils sont toujours devant leur télé avec leurs enfants. Mimié, yelanga soso. Mimié, yelanga taba. Tu ne sais pas qui a envoyé le soso et le taba. Si tu dors, on va te retirer le soso et le taba. Dans la Bible, il y a une femme. Dieu l'avait bénie. Elle avait un enfant. Mais elle dormit profondément. Au pied de rouler sur son propre fils. Le sommeil spirituel pousse les gens à se rouler sur leur propre bénédiction. Quand tu ne pries pas, tu ne verras rien de la part de Dieu. La Bible dit, demandez, on vous donnera. C'est-à-dire que si vous ne demandez pas, on ne va pas vous donner. Amen, amen. Amen. Vous êtes étudiant. Vous êtes élève. Ayez un programme. Ne laissez jamais la matière se refroidir. Quand tu rentres, tu manges un peu, tu te laves, tu récupères un peu de force, lis ce que tu as appris. Tout ce qui est difficile, note-le à côté. Tu iras demander au professeur demain. Ne cherche pas à faire le savant. Est-ce que vous m'entendez bien? Il y a des gens qui restent longtemps devant le cahier. Mais ils perdent le temps. C'est que tu n'as pas compris. Saute les mêlés de côté. Dans chaque chose. Il y a des choses difficiles. Il y a des choses faciles. C'est que tu n'as pas compris. Là, ça va te prendre le temps pour ceux qui sont professeurs. Il y a une discipline qu'on appelle la docimologie. C'est une discipline qui apprend au professeur à savoir comment poser les examens. Un professeur sérieux doit accorder à toutes les questions le même nombre de points. Sauf s'il a des problèmes avec des filles comme à Kinshasa. Et toi, le professeur qui prend les filles des autres, ta fille et ta femme seront aussi prises par les autres au nom de Jésus. Quand tu es commerçante, apprends à bien gérer ton temps. Un commerçant, sa force c'est l'inventaire. Tu peux être déjà dans la perte, mais sans le savoir. Quand elle vient, elle dit, j'ai remboursé combien? Maman, tu as gagné 2000. Gérant, vous avez vendu combien? Maman, on a vendu seulement 2000. Calcul. Il faut entre 2000 faire des calculs. La marchandise entre les deux et la marchandise que tu as le gérant. Il faut bien gérer le beaucoup temps. Beaucoup de trucs. Plus tu te donnes de l'argent, plus tu dois devenir rigoureux. Moi, je ne suis pas milliardaire. Je le serai. Oh, Andimi, bien. Banane bandimi ke ngape na ko milliardaire. Amen. Nzamba pambula bino. Amen. Lokola bandimi yanga milliard, ngape na ndi milliard na bino. Amen. Moi je ne suis pas encore milliardaire. Nazali milliardaire na inote. Mais j'ai eu une chance dans ma vie. Kasi nazana mwali bakuma la munako mo. Très de milliardaire. Nakutana na ba milliardaire. J'avais un vieux à moi. Nazaki na kulutu na ngamba. Il avait un puits de pétrole. Azalaki na libulu ya pétrole. Au Qatar. Na Qatar.
Mais un jour, ils ont fait une affaire avec l'une de nos petites. La différence est de 4 dollars. Le vieux là a créé une incompréhension terrible. Il a dit à l'ami là, je vois la fille qui vient me dire, mais. Namoni elenge mwasi kwa kwa vitu. Osomo na kamvienda zolo balangai. Tu as vu ce que ton vieux. Moi 4 dollars wanende moyibi. Pour 4 dollars il. Ngale bise que moyibi bandaka na eloko moko. Celui qui vole un œuf finira par voler un bœuf. Akoyiba ngombe mokolo mosusu. Ah bon bon to betere kolo mokoko makasi bande. Amen. Soki mutu ayiba kamaki. Mokolo mosusu akoyiba ngombe. C'est pourquoi le gouvernement ya Congo bozo kamilité. Amen. Amen. Pour le vol. Il parle comme ça. Est-ce qu'il a des preuves? Oui. Première preuve. Les rapports Blumenthal. Donc Blumenthal c'est quelqu'un du Fonds monétaire international. Les alliés motomoko à Fonds monétaire. Là auditer la Banque centrale internationale la Tali. Est-ce qu'on guérit Moïse? C'est ce qui tue le Congo, mes chers amis. Les alliés comme ma Congo baninga. Ote ya iba kamingite iba kamuke. Azo iba muke po muke ndezomona. Il vole un peu parce qu'il. Soit tient la banque d'Isaïe. Il voit un peu d'argent. Si vous le placez à la banque du Congo. Très fort. Il va tout voler partir. Deuxième preuve. Et l'eau qu'a mis balé. Les rapports Bakandeja. Les rapports Bakandeja. Amen, amen. Amen. Troisième preuve. Et l'eau qu'a mis Sato. Ndeko yava comme DG. Asak nanda kumi balé. 6 mois après. Le DG, il n'avait que 2 parcelles. A combien de immeuble. 6 mois après. Non, il a non. Ça, ce sont des indices. De vols. Et de détournements. Moïbi, Peko, Ibambongo à l'État. Amen. Si vous voulez aller de là-bas, gérez bien votre temps. Les Africains ne se développent pas. Ils n'ont pas le travail. Dans leur milieu de travail, ils ne font que causer. Ils ne font que causer. Après, ils disent qu'ils sont souverains. Tala. Même dans ta maison, pour que tu sois un mari souverain, il faut prendre totalement la femme en charge. Si la femme commence à s'acheter des babouches, tu as perdu une partie de ta souveraineté. Comment vous gérez votre temps? Pourquoi trop de distractions pendant toute la journée? Tu es toujours à la télé. Maintenant, ce sont les vacances. Trouve une petite activité. Fille, apprends à faire des tresses, ça va te rapporter l'argent. À la rentrée scolaire, au lieu que les parents t'achètent les uniformes, toi-même, tu seras capable d'acheter les cahiers. C'est la bénédiction qui va entrer dans la famille. Amen. Vous trouvez quelqu'un qui a 35 ans, il est fâché. Parce qu'on lui a privé la nourriture. On ne te donne pas, on ne va pas te donner. Je vous dis, dans la vie, rien n'est facile. La vie, c'est Mais dans le village, ce sont les conseillers du chef. Ici, ils ne sont que des. Comment vous gérez votre temps? Nous sommes en vacances. Après s'être reposé, trouvez une activité. Ici, on attend tout de la part. Je voulais vous dire que les Anglais disent que time is money. On ne perd pas le temps comme ça. Vous trouvez quelqu'un, il est là en train de raser les murs, en train de faire la manche. Pendant ce temps, tu peux imaginer quelque chose que tu peux faire.
Ça, c'était d'abord sur les plans organisationnels. Mais nous devons racheter les temps. Même sur les plans spirituels. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Comment tu gères ton temps? Tu es toujours dans des complots contre les autres. Tu es toujours dans la calomnie contre les autres. Tu es toujours dans la jalousie contre les autres. Quand est-ce que tu prépares le retour du Seigneur? Frère, la venue du Seigneur se prépare. Avant sa naissance, avant son intronisation, il y a quelqu'un qu'on a appelé Jean-Baptiste. Il a eu le temps de préparer la venue du Seigneur. Est-ce que toi tu as le temps de préparer la venue du Seigneur dans ton cœur? On va nous lire 2 Corinthiens 6, verset 2. Parce que nous devons nous arrêter là. Verset 2. Même l'église doit avoir un horaire. On sait à quelle heure le culte commence et à quelle heure le culte se termine. Je suis allé dans une église. J'ai demandé à ces gens-là, je veux prêcher pendant combien de temps? Oh, nenge molimo ukambayo. Comme l'esprit va te conduire. J'ai dit que molimo yebi ke to bandak, molimo yebi teke. Il faut tous l'esprit c'est l'église, que l'on a commencé, mais c'est pas que l'on va terminer à l'église, on a les femmes. Mibali mususu balia ka biloko babone balambate. Les autres mariés. Mibali mususu pour aller faire mon amoisse naï. Moli moi habite que na église oyo. L'esprit ne sait pas que dans on a ba policier. Nous avons il faut pas que les gardes. Il faut qu'ils Moli moi habite ngote. Faire leur travail l'esprit. Donc le corps to bandi to que ndete ndenge commencer que non frère. Comme ça jusqu'à ce que nous allons nous fatiguer. À l'église de Pierre. L'église à Petelo. L'heure du début de qu'il t'était connu. Il commençait l'heure qu'il t'a 15h. Acclamons très fort pour le roi de roi. Les jours où ils ont guéri les boîtiers, ils étaient là à l'heure. Cette histoire de prolonger le culte, ça fait des morts dans la Bible. Il y a un homme qu'on appelait Kitus. Il était assis sur la fenêtre en train de suivre la prédication. Mais Paul avait prolongé le discours et que tu se finis par mourir. Pasteur, quand tu prêches, sache qu'à part l'église, les gens ont d'autres choses à faire. Papa, l'église doit avoir un programme. On commence à 9h, on termine à 12h. C'est comme ça que ça se faisait. Moi, je donne des versets. Un jour, j'ai trouvé un modérateur ici. Il commence les cultes à 16h30, mais 50 secondes. À 16h30, 50 secondes, quand je gronde sur lui, il me dit, papa, moi, 50 secondes, un chrétien, il a l'habitude de respecter le temps. C'est pourquoi la Bible dit il y a un temps pour chaque chose. Je voulais vous dire que Dieu m'a demandé de vous répéter que dans la vie d'un homme, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Vous avez beaucoup pleuré depuis votre naissance. Mais à partir d'aujourd'hui, le temps de réjouissance vient de commencer dans votre vie. Mais à part ça, apprenez à gérer bien le temps. Si on gère bien le temps dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos églises, à l'Assemblée nationale, au gouvernement, il y aura de moins en moins de temps supplémentaire. Ça engage de frais et ce sont des charges pour les organisations. L'Afrique ne va pas d'aller avant parce que les gens sont souvent en retard. Quand ils ne sont pas en retard, ils sont dans la précipitation. Je voulais vous dire que le Dieu que je venais de vous prêcher ce matin, il n'a jamais été en retard ni en avance. C'est un Dieu qui est toujours à l'aise. Laisse-moi te dire que ce soir, ton temps de bénédiction, ton temps de conversion, ton temps de sanctification vient d'arriver. Comme il pour être dans le temps, je préfère m'arrêter là. Il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Amen. Que Dieu bénisse les mamans. Qu'il bénisse les papas. Ses serviteurs et ses servantes. Chantres, techniciens, protocole. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que
Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Internet. Internet. Et que Dieu bénisse. Zambe à Pambola, on va te répéter la bisou. Epaina ye, o kokota, nakatia lopango.